Bonjour, bienvenue au CAPS du Cégep de Thetford. Je suis Serge Fauché, coordonnateur des activités du CAPS. Cette semaine, on voit les bienfaits de l'activité au niveau, les bienfaits de l'entraînement au niveau de la souplesse et de la composition corporelle. En fait, quels sont les effets bénéfiques qu'un entraînement va avoir sur notre souplesse et sur la composition corporelle. Et si on a le temps, on va voir aussi, excusez, j'utilise mes feuilles, on va voir aussi les méthodes, les principes pour l'amélioration de la condition physique. On doit respecter certains principes lorsqu'on veut s'entraîner. On a déjà parlé de ça, mais on va revenir plus en profondeur sur les grands principes à respecter. Et vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Mais pour la mise en pratique, lorsqu'on veut faire de l'entraînement, il faut respecter ces grands principes-là. Donc, on parle en premier lieu aujourd'hui des bienfaits de l'entraînement sur la souplesse. On a déjà parlé, mais on revient là-dessus pour vraiment bien cibler les effets. Car surtout lorsqu'on fait de l'entraînement, on oublie que la souplesse est une dimension très importante. Je vous réfère toujours au volume de M. Chevalier. Okay? Je vous le présente presque toutes les semaines, mais je prends le temps de le faire parce que je me suis référé à ça pour vous donner l'information. À vos mères pré-santé, dans le cadre du cours d'éducation physique, l'ensemble 1, vous utilisez ce volume-là. Donc, je vous rappelle toujours que c'est disponible ici à la COA du Cégep. Donc, je continue avec les bienfaits de l'entraînement au niveau de la souplesse. La première chose, lorsqu'on est plus souple, on évite les blessures. Je vais vous donner un exemple assez concret. Visualisez dans votre tête une personne âgée qui a des difficultés à marcher. Souvent, on va avoir une lordose prononcée lorsqu'elle marche, mais visualisez-le bien. Je suis convaincu que vous connaissez quelqu'un qui a de la difficulté à marcher. Souvent, cette personne-là, oui, elle est limitée due à sa capacité générale, mais souvent, elle est limitée à cause de son manque de souplesse. Manque de souplesse au niveau du bassin, manque de souplesse au niveau des jambes. La plupart des gens qu'on voit qui sont âgés et qui n'ont pas de difficulté à marcher ont une très, très bonne souplesse. Et pour eux, vous pourrez lui poser une question. La plupart du temps, les gens font des pas, sont très droits, marchent. Même il y en a qui vont jogger, pour avoir 80, 85, 90 ans. Il y a des gens très, très droits qui marchent très bien, qui ont un pas de marche régulier et même qui sont en mesure de faire de la course. C'est très difficile de pouvoir faire un effort physique supplémentaire à une marche normale lorsqu'on manque de souplesse. C'est une chose qui est très bien, on va le voir tantôt, mais au niveau des dimensions, d'éviter des blessures, imaginez que vous marchez sur, que vous avez encore, vous visualisez encore cette personne qui a de la difficulté à marcher et qu'elle marche sur une plaque de glace, qui glisse de côté et qui va aller chercher une amplitude qui n'est pas normale. Mais c'est presque sûr qu'elle n'aura pas le réflexe assez rapide pour pouvoir se ramener et éviter de tomber. Donc, en partant, c'est la première chose. La souplesse va éviter les blessures et va augmenter notre capacité physique par le fait même pour éviter nos blessures. Je vous fais visualiser d'autres choses, plus concrètement. Quelqu'un qui a une lordose. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a mal dans le dos. On a tous une image de quelqu'un qui a mal dans le dos. Il semble raide, hein? Il est côté, il marche, son dos est raide. Même un peu, on a une lordose qui se prononce. Le ventre sort vers l'avant, les fesses sortent un peu. On a de la misère à se pencher à droite ou à gauche. Bien, on a un problème de souplesse aussi. C'est sûr que si quelqu'un a une hernie discale, bien, il y a un problème de mobilité. Mais ce n'est pas une raison pour maintenir ce problème de mobilité-là si on dit « bon, j'ai une lordose, j'ai une hernie, je ne peux pas faire d'exercice absolument pas ». Non, on va essayer plutôt de lui faire faire des exercices de souplesse pour améliorer sa capacité justement d'aller plus loin dans ses mouvements. C'est sûr que si on a une blessure, ça nous limite. Une fois que cette blessure-là est soignée, au bout de quelques semaines, très important d'entamer tout de suite des exercices de souplesse pour tout de suite avoir une meilleure amplitude au niveau de notre capacité de mouvement. Ça, la capacité de mouvement, là, tout au long de notre vie, ça va nous suivre. Puis, je suis convaincu que même dans votre vie personnelle, vous allez vous en apercevoir. Vous allez voir que votre souplesse, si vous n'en faites pas, vous dites « bon, avant, j'étais capable de me pencher facilement, aller attacher mes souliers, je me penchais, je couchais mes souliers, là, je ne suis plus capable. » Il y en a qui vont me dire « c'est à cause de leur bédaine, ils ne sont pas capables de se pencher. » Faux! C'est pas vrai. Oui, jusqu'à un certain point, on n'est pas capable de se pencher à cause qu'on a un surplus de poids, oui. Mais de là à dire qu'on perd de la souplesse, absolument pas. Car il y a des gens qui sont un peu plus arrondis, même qu'il y a des gens qui sont un peu plus obèses, qui vont avoir une souplesse extraordinaire. Donc, ne transférez pas cette raison-là pour dire c'est parce que vous avez un peu de surplus de poids que vous n'êtes pas souple. Non, c'est parce qu'on s'en occupe pas. On prend pas le temps de faire des étirements et c'est un problème de société très important. On est assis toute la journée lorsqu'on travaille et pour éviter d'avoir des raideurs musculaires, d'abord, on va vous en parler un peu plus tard lorsqu'on va parler des postures, mais lorsqu'on est assis, on est très lourd au niveau de notre dos.
c'est très important de travailler musculairement, oui, mais notre souplesse. C'est ce qu'on ne fait pas. Et la plupart des gens dans leur programme d'entraînement oublient et négligent de faire des exercices de souplesse. C'est très important de l'amener à ça pour éviter carrément les blessures de tout genre. Donc, on part avec l'idée, là, on veut pas se blesser, bien, on fait de la souplesse. On veut prévenir les blessures, on fait de la souplesse. Vous faites du sport de compétition, vous jouez au hockey, dites-vous que vous avez besoin de souplesse. Les joueurs qui se blessent, la plupart du temps, c'est parce qu'ils manquent de souplesse. Donc, blessure et souplesse, ça va ensemble, directement. Donc, prévention par la souplesse, parce que notre travail, je vous rappelle toujours, c'est de faire de la prévention par l'activité physique. Donc, au niveau des bienfaits de l'exercice, au niveau de la souplesse, c'est vraiment la priorité, c'est les blessures. Dans un deuxième temps, on va parler de performance sportive. Je vais vous faire visualiser encore une fois un joueur de football de 6 pieds 7, 300 livres. C'est à peu près ça qu'il y a dans la Ligue nationale. On en voit peu dans ce coin-ci, mais imaginez-vous-les. Il est en train de jouer au football, il est sur la ligne défensive et il doit aller chercher le corps arrière qui est de l'autre côté. Notre monsieur de 300 livres qui mesure 6 pieds 7 doit passer par-dessus deux autres messieurs de 300 livres qui mesurent 6 et 5 et qui ont l'intention de le tirer à terre, mais royalement, pour éviter que ce corps arrière-là se fasse frapper. Là, on parle de souplesse. Cette personne-là, ce joueur-là, doit passer au travers de ça, se fait frapper, tombe sur le dos, se fait accrocher une jambe, est tordu à terre, les pieds sont d'un côté, la tête est de l'autre bord, il est à côté à terre avec deux personnes de 300 livres sur le dos. Il se relève, puis il recommence. Imaginez-vous qu'il n'y a pas une bonne souplesse. Là, je viens de vous donner un exemple. Il est tombé, il s'est fait frapper, il est tombé à terre, on est tourné de côté, il est tombé, il y a quelqu'un par-dessus lui, et il se relève, puis il continue à jouer. Le seul moyen, c'est pas qu'il soit musculairement gros comme ça. Oui, il en a besoin. Mais il a besoin d'une extrême bonne souplesse au niveau du tronc. Parce que sans ça, à toutes les fois qu'il va se faire frapper, parce qu'il va se faire frapper à tous les jeux, c'est certain que dans sa partie, il risque d'avoir une blessure. S'il veut gagner sa vie à faire ça, bien, il doit avoir une excellente souplesse. Un joueur de football, un joueur de hockey professionnel, si ces joueurs-là ont besoin, pour performer, d'avoir une bonne souplesse, imaginez-nous ce qu'on a besoin. Donc, automatiquement, en performance sportive, oui. Dans la vie de tous les jours, dans mon travail, est-ce que j'ai besoin de souplesse? Ben oui, j'ai besoin de souplesse. Malgré le fait que je travaille sur une souris d'ordinateur, si j'ai une bonne souplesse au niveau de mon épaule, de mon coude, de mon poignet, bien, c'est certain que le mouvement de rotation, si je suis statique et que j'ai une bonne souplesse, j'ai beaucoup moins de chances de me blesser, même si c'est des petits mouvements très, très simples. Il y a des gens qui vont se blesser en allant chercher des documents. On le voit quand on fait l'ergonomie de travail d'une personne, les documents sont trop hauts, ils vont chercher des documents très hauts, puis ils se disent « bon, je me blesse parce que je manque de force dans l'épaule ». Oui, oui, d'un point de vue, mais vous manquez surtout de souplesse et c'est pour ça que vous vous blessez. L'amplitude de mouvement, aller chercher un objet, se tourner, prendre un objet, si on a une bonne souplesse, c'est beaucoup plus facile d'éviter la blessure. Donc, on parle de performance sportive, mais on parle de performance au travail. Les gens qui répètent des mouvements continuellement, toujours dans le même angle, ont besoin d'une bonne souplesse pour éviter leurs blessures. On pourrait faire le tour encore, et je vais vous donner un autre exemple. Bon, je prends le temps de le faire. Prenez un lanceur ou un lancer de baseball. Okay? La personne va prendre un élan, va lancer la balle. C'est sûr que si mon élan est bloqué ici par le manque de souplesse de mon épaule, je n'ai pas d'efficacité pour frapper. Les joueurs de tennis, regardez les joueurs de tennis qui ont une très, très grande amplitude lorsqu'ils viennent vous frapper, vont développer une amplitude vers l'arrière lorsqu'ils frappent, ont une meilleure efficacité. Ils ne se blesseront pas, mais l'efficacité de leur frappe est encore meilleure à cause de l'amplitude de mouvement et toute la possibilité des mouvements qu'ils peuvent faire. La frappe de volleyball, la lancée de n'importe quoi, plus je prends une amplitude, plus j'ai d'efficacité puis j'ai de finesse dans mon mouvement pour le finir. Parce que si je suis raide puis toutes mes muscles sont raides, je vais finir avec un mouvement qui n'est pas fini, justement, puis il va faire en sorte que ma performance va être moins bonne. Vous pratiquez un sport en particulier, bon, je vous donne l'exemple du tennis, le badminton, vous devez avoir une excellente souplesse pour améliorer votre performance, votre précision au niveau de votre travail. Une bonne chose aussi, souvent qu'on néglige, c'est que le fait d'avoir une excellente souplesse au niveau musculaire nous permet d'avoir une meilleure puissance musculaire. Quelqu'un qui va courir rapidement, qui va vouloir sauter haut, qui va vouloir faire un travail où il doit pousser fort, doit exploser dans son mouvement, doit avoir une excellente souplesse. Bon, pas obligé, mais s'il y en a une, ça va être très, très bon pour lui lorsqu'il va faire un mouvement où ça demande de la vitesse. Plus le bras est long,
plus le muscle peut s'étirer, plus lorsqu'il va se contracter, donner une claque, oh, on va avoir plus de performance. Et, en plus, de la précision. Donc, on voit là les bienfaits de faire de la souplesse. On ne peut pas passer à côté et dire, bah, pas besoin de ça. Bah, pas besoin de ça. Ben non. C'est de la prévention. On s'en rend pas compte dans tous les jours. On s'est fait des belles chaises ergonomiques. On s'est fait tout quelque chose pour tout le temps se tenir quelque part. Sauf que si on vous place debout pendant 3 heures, vous allez vous en apercevoir que vous manquez de souplesse. Parce que vos muscles, on manque de mobilité, on manque de positionnement. On ne sait plus trop comment se positionner. Un muscle qui est souple et un muscle qui va récupérer rapidement aussi. Donc, négligez pas, mais négligez jamais dans vos entraînements de faire de la bonne souplesse. Je vais vous montrer maintenant 3 tests. 3 tests faciles à faire à la maison, puis un 4e qui n'est pas nécessairement normalisé. Les 3 premiers sont normalisés, c'est-à-dire qu'on a des normes établies en fonction que plusieurs personnes ont fait les tests et on a des normes qui nous disent si on est bon, moyen ou faible. On le voit dans le volume, on a les normes bien établies. Puis on va regarder à l'écran, vous allez voir apparaître le premier test de souplesse qu'on a pour établir la souplesse des épaules. C'est important de bien, toujours bien étirer nos épaules, l'ensemble des muscles du corps, mais dans ce cas-là, ce test-là, très facile, qu'on voit à l'écran, c'est la figure 8.13, le test du lever du bâton en position couchée. Très facile à faire. On prend le bâton à largeur des épaules, on se couche à terre, le front au sol ou le menton au sol, et vous levez vos bras le plus haut possible, vers le haut, les bras tendus. C'est un test facile. Si vous vous apercevez que vous avez de la difficulté à décoller le bâton du sol, bien, vous pourrez vous dire que vous devez améliorer la souplesse de vos épaules, c'est évident. Si vous le levez à peu près à hauteur de la tête, on va vous dire que bon, c'est bien. Et si vous dépassez évidemment très bien le haut de la tête, bien, vous pouvez considérer que votre souplesse est quand même bien. Donc, c'est un test facile à réaliser, très facile à faire à la maison, mais qui nous donne beaucoup d'indications sur notre propre souplesse. Le deuxième test de souplesse qu'on voit, figure 8-14, c'est encore un test, vous allez être surpris de ce test-là, le test des mains dans le dos en position debout. Bon, comme on le voit à l'écran, le test, si vous mettez vos mains dans le dos et vous êtes capable d'accrocher vos doigts et de rapprocher vos mains l'une de l'autre, c'est évident que vous allez avoir une bonne souplesse. Souvent, d'un côté, c'est plus facile et de l'autre, ça ne l'est pas. Et je peux vous dire que 80% de la population a beaucoup de difficultés à faire ça avec l'âge. Plus on va prendre de masse musculaire, plus on va oublier de faire de la souplesse au niveau des épaules et c'est un excellent test pour se le rappeler. Vous mettez la main droite et la main gauche dans le dos, vous essayez d'aller la toucher, vous allez faire la même chose de l'autre côté en essayant d'aller toucher vos mains dans le dos. Je peux vous dire que moi, ce côté-là, ça va quand même assez bien, mais je touche juste le bout de mes doigts, à peine. Puis de l'autre côté, il y a au moins ça de distance entre les deux. Donc, j'ai un côté qui est vraiment à travailler. Je suis un droitier naturel, donc j'ai une meilleure souplesse. J'ai fait beaucoup de sports de frappe, donc j'ai une meilleure souplesse de ce côté-là et j'ai négligé ce côté-là. Ben oui. Et je ne suis pas parfait, et il n'y a personne de parfait. Mais cette imperfection-là probablement va me rejoindre un petit peu avec l'âge si à un moment donné, je viens pour forcer ou aller prendre un objet, la main gauche plus haut. Oh boy! Je vais probablement m'étirer un muscle plus facilement. Et je fais attention. Donc, évitez les blessures. Je m'arrange pour avoir une bonne souplesse de ce côté-là. Et c'est un test très facile à faire à la maison. Très facile à faire en tout temps. Vous pouvez être dans votre bureau et vous dire, tiens, je vais essayer ça. OK? Un autre test. Celui-là, c'est un test facile, c'est la figure 8.15, vous voyez, très facile à faire. Vous accotez vos pieds au mur, vous gardez vos jambes très droites et, ça va permettre de savoir la souplesse au bas du dos et en arrière des jambes. Le test est d'essayer de toucher le mur avec la paume de vos mains. Vous allez accoter la paume contre le mur. Si vous êtes en mesure de faire ce test-là, facilement comme ça, j'accote mes paumes, vous pouvez considérer que vous avez une bonne souplesse de l'arrière des jambes et un peu du bas du dos et des muscles fessiers. L'autre, bien écoutez, plus vous vous éloignez du mur, plus vous êtes considéré comme à risque. Disons que les paumes, c'est parfait. Les poings, les jointures, c'est bien. Le bout des doigts, c'est encore bien. On peut considérer ça comme moyen, mais aussitôt que vous touchez plus au mur, vous pouvez considérer que vous avez des besoins au niveau de souplesse. 3 tests faciles à faire. Donc, vous venez de voir là, les bienfaits l'entraînement de souplesse. On a pris le temps de le faire comme il faut, de bien l'expliquer et prenez le temps dans tous les entraînements. Et si vous ne vous entraînez pas dans une salle où vous êtes organisé, essayez toujours de trouver des exercices que vous pouvez faire à la maison. Prendre le temps de le faire. Ça va? On passe à l'autre partie. J'étais pour dire, est-ce que vous avez des questions? Mais c'est un réflexe de professeur. On passe à l'autre partie où on va parler cette fois-ci des bienfaits de l'entraînement, mais au niveau de la composition corporelle. On sait que c'est une dimension de la condition physique qui est très importante et qui est très
recherché par plusieurs. Une des raisons principales pourquoi on fait l'entraînement, c'est vraiment... c'est d'essayer de perdre du poids, d'essayer de perdre nos réserves de gras. On trouve qu'on a trop. Et on considère que c'est une façon de mesurer notre condition physique. Est-ce que j'ai du gras? Non, 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 j'ai pas de gras, j'ai pas besoin de m'entraîner. Il faut faire attention, il y a plusieurs déterminants. On les a vus, cardiovasculaires, musculaires, on a vu la souplesse, et on voit la composition corporelle. Bien entendu, on va voir dans un autre chapitre les effets très pointus du fait de ne pas s'entraîner et du surplus de poids, vraiment de l'obésité, qu'est-ce que ça peut apporter comme problématique. Mais aujourd'hui, on va voir les bienfaits, justement, l'effet contraire de ça. Mais on s'entend qu'il y a un pourcentage de graisse raisonnable qu'on doit avoir au niveau du corps. On doit essayer de ne pas en avoir trop, bien entendu, mais aussi l'inverse est également à considérer. Le fait de ne pas avoir assez de gras, si vous aimez mieux les anorexiques, je pense que ça fait une image très claire à tout le monde, c'est pas mieux. On manque d'énergie, on n'est pas mieux, on manque de calories carrément. Donc, on ne veut pas vous emmener dans un monde parfait, on veut dire l'ensemble, quel est le pourcentage de gras raisonnable qu'on devrait avoir. Vous allez voir tantôt, il y a des mesures pour ça, pour pouvoir l'évaluer. Mais on est capable de savoir quand même, bon, ben, au niveau de la santé, je devrais faire attention, au niveau de la perfection, qu'est-ce que je devrais faire? Bon, si on y va avec les bienfaits de l'entraînement, au niveau du contrôle de poids, qu'est-ce que ça nous apporte? La première chose, c'est bien sûr les maladies directement reliées à l'obésité. Première maladie reliée à l'obésité, on pense à quoi? On pense tout de suite à diabète, cholestérol et tout ce qui va autour de ça. Les maladies cardiovasculaires. Quel problème majeur! Les maladies cardiovasculaires sont l'une des principales causes de décès ou de problématiques de société. Le fait d'avoir un surplus de poids, nous cause le problème majeur d'abord d'avoir trop de gras dans le sang, que la circulation se fasse mal, mais surtout d'avoir à gérer ce surplus de poids-là. Vous avez une famille de deux enfants, ça va bien. Demain matin, je décide que la famille d'à côté vient s'installer chez vous. Vous devez gérer tout ce beau monde-là. Vous avez la même maison, mais à l'intérieur, le contenu vient de changer. Vous devez gérer encore plus de monde. Vous devez gérer, on en porte encore plus, vous devez encore plus gérer ce monde-là. Vous devez considérer qu'à chaque fois, et je m'excuse, je vais me lever un petit peu, mais j'ai justement un ballon ici. Regardez bien, on va considérer que ça, c'est une cellule de gras. OK, vous la voyez. Malheureusement, lorsque vous allez engraisser, vous allez augmenter la quantité de gras en vous créant une autre ballon comme ça à côté. Donc, vous avez votre grappe de raisin qui vient de se transformer de un raisin à deux raisins. Et la problématique, c'est que là, il est plein. Et lorsque vous engraissez, vous allez remplir encore ce ballon-là, le deuxième ballon. On va remplir le troisième ballon, le quatrième ballon. À chaque fois que vous allez prendre du poids, vous allez augmenter la quantité de raisins qui va faire votre corps. C'est certain que si on contrôle ça, avec le temps, plus vous allez engraisser, le seul moyen de maigrir, ça va être de dégonfler ce ballon-là. Donc, si je tire sa pine puis que le ballon dégonfle, on va conserver. Là, moi, j'ai un ballon. Mon taux de gras, c'est un ballon, c'est considéré comme la bonne santé, c'est la limite, OK, je veux maigrir, je vais juste dégonfler mon ballon, mais je ne peux pas l'éliminer. Le seul moyen de l'éliminer, c'est couper, enlever, jeter à la poubelle. Ce n'est pas nécessairement bon pour la santé non plus et ce n'est pas la meilleure solution que je vous conseille. Mais c'est ce qui va arriver, c'est que notre ballon va dégonfler. Imaginez-vous que vous avez engraissé, que vous en avez 3, 4, 5, 6, 7 ballons comme ça. Bien, vous ne vous débarrasserez pas des 7 en maigrissant, il n'y en a pas un qui s'en va. Non, on garde les 7 ballons. Puis on les perd. Ils vont maigrir, c'est-à-dire qu'ils vont rapetisser. Le fait de faire ça, c'est parce qu'on va les avoir vidés. Excusez-moi, je vais replacer mon ballon. C'est parce qu'on va avoir vidé le contenu du gras qu'on avait à l'intérieur. Le contrôle de poids va nous amener à contrôler donc les maladies cardiovasculaires, c'est certain, directement relié, c'est sûr et certain, parce qu'on n'a pas à gérer cette quantité de poids supplémentaire-là pour notre cœur. Parce que notre cœur est fait pour notre poids santé. C'est-à-dire que si mon poids santé, c'est 180 livres musculaires, avec ma masse musculaire et mes os, etc., c'est correct. Si j'ai à gérer mon poids, qui est rendu à 210 et non 180, bien, j'ai 30 livres de trop à gérer. Et là, c'est mon trop plein. Et ce 30 livres-là, je dois le nourrir de sang, je dois le nourrir aussi, je dois le gérer, je dois le transporter, je dois le traîner partout. Mon cœur est fait pour 180, mais j'en ai 210 à traîner. C'est sûr que mon cœur fait des efforts supplémentaires, puis lorsque je veux y en demander plus, j'ai de la difficulté à faire ce que j'aurais tant aimé faire. Donc, au niveau cardiovasculaire, on a un effet directement relié à ça. Diabète de type 2,
La plupart du temps, dans presque tous les cas, il y a certains cas héréditaires, mais dans presque tous les cas, le diabète de type 2 est dû à une mauvaise habitude de vie. On va revenir là-dessus, mais une mauvaise habitude de vie qui nous a amené à un surplus de poids, qui nous emmène vers un diabète de type 2, problématique de gestion de sucre. Donc, et bien sûr, le cholestérol. Mais on va y aller avec quelque chose aussi au niveau de l'activité physique. Si on y va dans l'activité physique au niveau des effets d'entraînement pour quelqu'un qui va perdre du poids, bien, qu'est-ce que ça peut nous apporter de plus? La liberté de mouvement, la première chose, la liberté de mouvement. Si je suis en mesure de bouger plus facilement, que je me déplace plus facilement à droite et à gauche, c'est sûr que dans ma vie de tous les jours, je suis plus heureux. Mais imaginez-vous que je vous enlève 30 livres de dessus le dos, ceux qui en ont trop, ou 10. Tout de suite, en partant, je vais vous donner un 10 livres, je vais vous dire, gère ça pendant une journée. Je ne l'ai pas, là. Mais si tu viens de perdre 10 livres, tiens, je te le redonne. Prends 10 livres, mets ça quelque part sur toi, je vais vous donner une veste de 10 livres, je vais dire, ben oui, il faut que je le gère en plus. Fait que déjà là, ma liberté de mouvement, ma capacité de mouvement est améliorée. Bien entendu, ça évite les blessures. On parle de quelqu'un qui a des surplus de poids, on parle d'un surplus de poids au niveau articulaire, au niveau du dos, bas du dos. C'est certain qu'il y a un lien direct. On perd du poids au niveau du dos, du bas du dos, les articulations, c'est certain, en partant, qu'on a une diminution de risque de blessure. Tout de suite en partant. Excusez-moi. On a une augmentation des capacités cardiovasculaires, et ces capacités cardiovasculaires-là, on a vu les bienfaits dans les autres, puis vous avez vu, il y en a des bienfaits, là, mais automatiquement, vous venez de gérer puis de repartir votre usine automatiquement. On gère le gras en diminuant, on gère notre gras en faisant de l'activité cardiovasculaire, on l'a vu, et cette activité cardiovasculaire-là, c'est exponentiel. Plus vous faites d'activité cardiovasculaire, plus vous gérez votre gras. Plus vous gérez votre gras, plus votre capacité cardiovasculaire augmente. Plus votre capacité cardiovasculaire augmente, plus vous êtes capable de gérer votre gras. Tout ça, ça se suit ensemble. Donc, on a parlé des bienfaits cardiovasculaires, et là, on vient, excusez-moi, de vous dire que, bien là, je vais aider à mes capacités cardiovasculaires si j'essaie de gérer en même temps mon taux de gras. Faire attention à mon alimentation, faire attention en faisant de l'exercice, etc. Excusez-moi. Je vais vous montrer trois tests. Okay? Trois tests associés à comment on peut mesurer ce taux de gras-là. Parce que l'on veut le savoir, là, il fait cinq minutes que tu nous parles de gras, je peux-tu savoir si j'en ai de trop? Vous avez vu des tests dans les premières émissions, mais je vais vous en montrer d'autres qui sont quand même assez faciles à réaliser pour nous autres à la maison, pour dire comment que je fais pour contrôler ça. Est-ce qu'il y a des normes? Oui, il y a des chiffres normalisés sur des tests très précis. Un des tests les moins dispendieux, mais les plus précis, c'est ce qu'on appelle la pesée hydrostatique. On vous pèse en dehors de l'eau, puis on vous pèse dans l'eau. Ça demande de l'équipement, Bon, on n'est pas équipé ici pour le faire, mais ça se fait. Il y a ce qu'on appelle la mesure de tomographie axiale, où on va vous faire une résonance magnétique. On fait des tranches pour être capable de mesurer l'épaisseur de gras directement reliée à ça. Je pense qu'on n'a pas l'argent pour faire ça non plus. Ça coûterait des milliers de dollars. Ben, ceux qui veulent se le payer, payez-vous-le, il n'y a aucun problème avec ça. Je vais vous montrer à l'écran. On a des tests beaucoup plus faciles qu'on va faire pour les étudiants, et que vous pouvez faire aussi, soit en venant ici, on peut vous faire un test de gras, ou certaines choses que vous pouvez faire à la maison. Ce premier test-là, figure 8.10, on appelle ça la mesure des plis cutanés, l'épaisseur des plis cutanés. On voit très bien à l'écran, là, c'est un test de trois plis. Chez l'homme, on a la poitrine, l'abdomen et la cuisse. Chez la femme, on a le pli de triceps et le pli au iliac. On le voit bien à l'écran là, où on peut prendre le taux de gras et à la mi-cuisse. C'est un test assez facile à faire, ça ne prend pas de temps. Puis ça nous donne quand même un bon résultat. Bon, oui, il est normalisé jusqu'à un certain point. On peut se comparer à une norme très générale. Mais ce que je vais vous dire par rapport au taux de gras, et peu importe ce que vous allez faire comme test de gras, on va en avoir quelques-uns, l'important, c'est la comparaison. Où je suis là? Est-ce que j'en ai trop? Bon, habituellement, on est capable de pas mal savoir ça à vue d'œil. Hein? Si je me plains un prix sur le ventre, puis qu'il est un peu plus que 2 pouces, ben je vais me dire, OK, il faudrait peut-être que je fasse attention. Là, je le sens que j'ai trop de gras, je me prends un pli sur le bras, bon, je le sens qu'il y a un petit peu trop de gras. J'essaie de faire attention à ça. Je peux vous donner une mesure en venant. Vous pouvez venir ici, on va vous prendre une mesure. Et ça va vous donner un point de départ. Ce point de départ-là, c'est un point comparatif. Donc, le point comparatif, là, c'est où vous en êtes aujourd'hui et où vous allez vous en aller plus tard. Donc, aujourd'hui, je suis à tant de pourcentage de gras, peu importe le chiffre, là, 20, 25, 30, bon, il est-il pas bon, je suis où là et où devrais-je aller? Je devrais le diminuer. C'est ça qu'il faut faire, essayer de le diminuer. Essayez pas de la rendre à zéro, là, on le dit, c'est pas mieux. Certains athlètes vont se rendre très, très proche de ça, mais c'est pas ça qu'on vise.
Donc, le pli de pourcentage de gras, peu importe le résultat, ça vous donne une donnée de départ. Je vais vous en montrer un autre. On regarde à l'écran le tableau 8.11. On appelle ça la mesure de IMC. C'est la grandeur par rapport à notre poids. Ça nous donne un résultat qu'il faut faire attention en fonction de, excusez-moi, en fonction de notre masse maigre. Si notre masse maigre, notre masse musculaire, nos os font en sorte qu'on est très lourd, bien, il faut considérer ça aussi lorsqu'on fait notre IMC. Parce que c'est facile. Si vous regardez ce tableau-là, on voit tout de suite, vous prenez une règle, tout simplement, avec le tableau. Vous dites, je mesure 5 pieds 10, je pèse 180 livres. Où est mon résultat? Je suis à 26. Je suis dans une zone qu'on dit à risque. Bon, je suis à risque parce que je suis trop gros ou je suis à risque parce que je suis trop muscle. En partant, je le sais, c'est beau. Donc, c'est une mesure qui est quand même assez facile à considérer parce que je considère plusieurs choses en même temps. Donc, c'est très facile à faire. Ou vous vous pesez, vous mesurez, excusez, et vous avez une formule qui est le poids sur le poids par rapport à la grandeur. OK? Excusez-moi, la formule est le poids divisé par la grandeur au carré. Donc, votre poids en kilos divisé par votre grandeur en mètres, c'est-à-dire si je pèse 80 kilos divisé par 1,8 mètres au carré. Ça va me donner un résultat qui va être autour de entre 17 et 30 ou 40. Donc, ce résultat-là va vous approcher. Donc, si vous êtes autour de 25, entre 20 et 25, c'est très excellent. Je continue avec mon test de pourcentage de gras. Un test très facile à faire à la maison. Ça vous prend un gallon. Vous voyez sur l'écran, c'est la figure 8.12, la mesure du tour de taille. C'est ce qu'on appelle le ratio abdomen-hanche. Bon, ce ratio abdomen-hanche-là devrait faire en sorte que nos hanches sont plus larges ou plus grandes que notre ventre. Bien entendu, sur certaines femmes, parce qu'on sait que c'est plus fréquent sur les femmes, on va avoir un ratio abdomen-hanche très, très bon. Tantôt, je vais vous expliquer d'autres choses, mais c'est une mesure très facile à prendre. Vous prenez au niveau du nombril une mesure et vous prenez au niveau des hanches, c'est-à-dire au niveau du plus gros de la fesse, la mesure. Vous faites un rapport entre les deux. Plus ce rapport-là est grand, mieux c'est. Donc, si le problème avec ça, c'est que si notre tour de taille il dépasse 36 pouces, excusez-moi, un mètre, c'est que là, on tombe dans une zone à risque pour les maladies cardiovasculaires. Donc, plus la taille est basse, mieux c'est. Le ratio va nous donner une bonne idée. Et je vous dirais, chez les femmes, une mesure de plus que vous pourriez prendre, ce serait un tour de cuisse, parce que vous accumulez beaucoup de gras au niveau des cuisses. Vous prenez une mesure au début, il est à 27, il est à 32, il est à 44. Pas de problème. Mon idée, c'est si je perds du gras, je vais en perdre ou j'en ai le plus. Donc, vous mesurez cet endroit-là, puis vous essayez de maigrir, vous allez voir si vous avez un progrès. Excusez-moi. Un dernier test que je vais vous montrer, ça se vend un peu partout. Vous avez cette fameuse balance électronique-là qui va vous donner des mesures de pourcentage de gras également. C'est une mesure, je vais vous juste mettre en garde avec cet appareil-là. Très bien si vous prenez votre poids toujours au même endroit, au même moment, parce que ça va compter la mesure hydrique de votre corps. Ça va considérer la quantité d'eau que vous avez en fonction du gras. Si on a plus de gras, il y a plus d'eau dans le corps, donc il va le considérer. Si vous vous pétez un verre d'eau le matin ou vous avez bu beaucoup d'eau, que vous pesez, bien, ça va fausser le résultat. Ce qu'on va vous dire, c'est avec ces balances-là, pesez-vous le matin à jeun, en vous levant. Prenez-vous tout le temps de même mesure au même moment et vous allez voir, votre résultat va être facile à atteindre, bien, va être plus précis. Mais considérez toujours que, malgré le fait que vous allez prendre ces mesures-là, considérez où vous en êtes et vers où vous en allez. Vous avez vu aujourd'hui les bienfaits de l'entraînement de flexibilité. Vous avez vu les bienfaits de l'entraînement sur la composition corporelle. Qu'est-ce que ça fait pour notre corps? Je pense que la prochaine fois qu'on va se revoir, je vais vous expliquer justement la portion que je pensais avoir le temps de vous expliquer aujourd'hui. Mais comment on fait pour améliorer notre condition physique, justement pour pouvoir gérer ça? On a des grands principes qu'on va faire. On a des grands principes à respecter, des familles d'exercices. Donc, on va prendre le temps de faire ça. Je vous remercie. On se revoit la semaine prochaine.